geek, hein, un poudou, c'était un poudaïr. Un poudaïr, c'est un tailleur de vigne. Pouda, coupé. Donc c'est, voilà. Et si on remonte très loin, en fait, on a émigré de Corbières à Minervois, c'est juste en face, il y a deux siècles. Mais auparavant, les poudous étaient fermiers des moines de l'abbaye de Saint-Hilaire, proche de Limoux. Donc voilà, on n'a pas trop bougé. C'est grâce au vin que j'ai pu bouger. on va commencer par un cépage vionnier. C'est une très jeune vigne, elle a à peine 7 ans. Le cépage vionnier est un cépage assez capricieux, parce qu'au début, il ne fait pas de raisin. C'est assez drôle, c'est assez déprimant. Vous allez voir votre vigne et vous avez quelques grappes par-ci, par-là. Alors ce que je dis souvent à des clients, au lieu de décanter, de prendre des risques avec des vieilles bouteilles, vous n'ouvrez pas une vieille bouteille par hasard. Si tu ouvres une bouteille à 61 par exemple, tu vas t'y préparer, tu sais quand est-ce que tu la bois. Donc deux jours avant, tu la mets debout à la cave, tu la précipites, dans l'eau, il n'y aura pas de problème. C'est pas boisé, ça c'était toujours. Et après, elle a démarré par le projet. Non, mais c'est pas ça. C'est, après, il y a le Hollandais qui te dit en fait, c'est la tour framboisée. En vrai, c'est mieux quand même.